De la gloire à l'oubli, il n'y a qu'un pas. Le football est constitué de hauts et de bas. Alors qu'il avait tout, famille, argent, amis et succès, Emmanuel Eboué va tout perdre du jour au lendemain. Après une carrière remplie d'honneur, la chute sera terrible pour l'ancien Gunners. Laissez-moi vous conter l'histoire de l'homme à qui l'on a subitement retiré 15 ans d'efforts et de sacrifices. Né le 4 juin 1983, pour Emmanuel, son histoire d'amour avec le football a commencé très tôt, au centre de formation de la SEC Mimosas, club de la ville d'Abidjan, dans sa Côte d'Ivoire natale. À 18 ans, ses efforts se concrétisent, son rêve se réalise, et devient footballeur professionnel. Il rentre vite dans le grand bain, il dispute 25 matchs et marque 3 buts dès sa première saison. Il joue le plus souvent en tant qu'arrière gauche, mais parfois aussi en charnière centrale. Mais très vite, trop vite peut-être, ses bonnes performances attirent les convoitises, et à 19 ans, il est déjà temps de rallier le vieux continent. C'est le club belge de Beveren qui va héberger l'étoile montante de Côte d'Ivoire. L'intégration se fait facilement. Il retrouve plusieurs compatriotes comme Romaric, Boka ou encore Yaya Touré. Mais Emmanuel n'a pas le temps d'attendre. Il trace sa route, sans s'arrêter, s'impose aussitôt comme un joueur important de son équipe. La deuxième saison sera encore meilleure que la première, pour celui qu'on surnomme à présent le Rock. Il dispute 30 matchs et atteint la finale de la Coupe de Belgique, malheureusement perdu 4-2 contre Bruges. Les supporters de Beveren n'oublieront pas de sitôt leur relation affectueuse avec l'imposant défenseur qui les quitte à l'hiver 2004. Son prix, 2 millions d'euros. Le pays, Angleterre. La ville, Londres. Direction Arsenal. À cette époque, Arsenal évolue sous les ordres de l'un des meilleurs managers du monde, le français Arsène Wenger. Ce dernier considère l'Ivoirien comme un joueur d'avenir, mais son heure n'est pas encore venue. Il faut donc se résigner à évoluer avec les réservistes, en attendant de pouvoir devenir le grand défenseur qui sommeille en lui. Cependant, la saison suivante ne le verra pas décoller pour autant, malgré quelques titularisations et un premier but dans son nouveau club, face à Sunderland. Heureusement, le destin va lui donner un petit coup de pouce. L'hiver 2006 est en effet placé sous le signe des retrouvailles pour toutes les plus grandes sélections du continent africain. Le temps est venu pour la Coupe d'Afrique d'attirer les yeux du monde le temps de quelques semaines. Le sélectionneur Henri Michel lui offre une convocation amplement méritée. Et le défenseur gauche va largement lui rendre en réalisant un tournoi fantastique. Aux côtés de Drogba, Touré ou Zokora, il parvient jusqu'en finale contre le pays organisateur, l'Égypte. Les éléphants auront montré un niveau de jeu très impressionnant. Mais la marche sera trop haute contre le pays hôte. Regardez Zaki, regardez Mostaza à tous. Il est parti à Boutérica. L'Égypte, championne d'Afrique. Emmanuel fait partie de l'équipe type, à l'issue de ses formidables performances, dans ce tournoi qui le révèle aux yeux du monde, et change pour toujours son statut. À son retour en Angleterre, il n'est pas encore temps de descendre de ce petit nuage, car le jeune Ivoirien se voit enfin accorder la confiance de son entraîneur, qui l'aligne presque toujours lors de la fin de saison. Bien aidé, certes, par les blessures des habituels titulaires, la solidité et le mental du nouvel homme fort de la défense n'est pas pour rien dans l'épopée européenne des Londoniens, qui élimine sans sourciller le Real, la Juve et Villarreal. Rendez-vous est donc pris au Stade de France, face au grand Barça d'Eto'o. Le match commence de la pire des manières, avec le carton rouge du gardien Lehmann. Mais l'espoir demeure grâce au but de Campbell. Mais le courage ne pourra pas empêcher les génies offensifs Blaugrana de marquer deux buts pour s'adjuger le titre. Une épopée européenne incroyable qui laissera tant de beaux souvenirs à Emmanuel, mais aussi et surtout, une acide pointe d'amertume.
cette saison 2006 demeure indiscutablement le sommet de la carrière du nouveau rock de la défense londonienne. Malheureusement pour lui, l'histoire ne s'arrête pas là, et le pire est à venir. La saison 2006-2007 commence comme la précédente s'était terminée. Le défenseur ivoirien des Gunners est devenu une référence à son poste, forçant l'admiration de ses coéquipiers, mais aussi des adversaires. Il est élu meilleur joueur du championnat en septembre. Malheureusement, des problèmes au genou lui font manquer beaucoup de matchs. Ça ne l'empêche pas de rempiler avec Arsenal en 2007, malgré une offre alléchante de l'Atlético Madrid. Wenger décide de le repositionner au milieu de terrain. Il en faut plus pour le déstabiliser. Emmanuel va s'adapter à sa nouvelle position en club, mais aussi très vite en sélection. Il joue encore 3 années en Angleterre. Pas toujours titulaire, et sa cote va progressivement baisser chez les fans, qui commencent à le critiquer. Les mêmes qu'il acclamait encore il y a si peu. L'émergence à son poste de Theo Walcott va définitivement enterrer ses espoirs, et entériner son départ à l'été 2011, vers Galatasaray. 5 années pour tranquillement finir une riche carrière, dans cette Turquie qui, pour les grands joueurs, sait se montrer hospitalière. 2011 sera le dernier fait d'armes d'un guerrier, qui se voit déjà vieillir. Pas assez cependant pour que l'on puisse se passer de ses services. Le titre de Super League en poche, le milieu de terrain est de nouveau sélectionné et rejoint ses amis dans une équipe de Côte d'Ivoire, alors menée par le sélectionneur Zaoui. Nouvelle épopée en Coupe d'Afrique des Nations, nouvelle finale. L'histoire semble déjà écrite et le pénalty raté par Drogba envoie la Zambie et la Côte d'Ivoire à la fatidique séance de tir au but. Le pays retient son souffle. Gervinho échoue. Les regards se fixent, encore deuxième, comme une malédiction. Après ce nouvel échec, Emmanuel Eboué remporte à nouveau le championnat avec Galatasaray. Puis le jeu se calme, la pression médiatique se fait moins forte. La Côte d'Ivoire s'est trouvée de nouveaux héros. En 2016, Emmanuel se retrouve libre de contrat, et comprend que son corps ne pourra plus tenir éternellement. Alors quoi de mieux pour terminer une telle carrière, qu'une dernière aventure dans le pays qu'il a vu devenir une référence, dans le championnat de ses heures glorieuses. Quoi de plus beau, qu'un retour en première ligue. C'est Sunderland qui accueille l'expérience et la force mentale du revenant. Avant d'attaquer une délicate deuxième partie de saison, marquée par le spectre de la relégation. Un mariage parfait pour se sauver? Pas vraiment. Le 31 mars 2016 sera une date fatidique qui restera douloureusement marquée comme un fer rouge dans la chair de l'ancien cadre d'Arsenal. En effet, seulement 22 jours après sa signature, le club casse son contrat professionnel suite à la suspension du joueur par la FIFA pour non-paiement de son ancien agent. Cette belle carrière aurait dû être saluée et mise à l'honneur, mais au lieu de ça, elle se retrouve brisée par une sombre affaire judiciaire. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, sa femme engage une procédure de divorce. Il va y perdre ses enfants, tout son argent, et la force qui faisait de lui le grand Emmanuel Eboué. Voici son train de vie suite à cette trajectoire descendante. L'ancien d'Arsenal lave ses habits à la main et emprunte les transports publics, bien loin du luxe de sa vie d'avant. Il dira dans les médias « Je n'ai personne auprès de moi, je me sens abandonné. J'étais bien avec mes enfants, ma famille, et aujourd'hui je me retrouve tout seul. » Alors qu'il jouait une finale de Ligue des Champions 10 ans plus tôt, entouré de milliers de supporters, Emmanuel Eboué se retrouve plus seul que jamais face à lui-même. Sous antidépresseurs, le joueur retraité sombre de plus en plus jusqu'à une tentative de suicide. Le football est ingrat, ce n'est plus le talent, c'est l'argent, le business. Ça fait mal, je ne mets pas la télévision chez moi, parce que quand je regarde, je vois mes amis jouer. Je suis content pour eux, mais au fond de moi je pleure. Cette histoire nous prouve que tout peut changer du jour au lendemain. Le star du football a quasi SDF, en l'espace d'une fraction de seconde. Même si Emmanuel Eboué a aujourd'hui repris goût à la vie, il n'en reste pas moins qu'on lui a retiré 15 ans de celle-ci.